Bonsoir tout le monde, il est présentement 18h14. La ligne de pluie arrive là, sur Montréal, donc si vous regardez le ciel, là, vous allez voir qu'il y a des belles structures à l'extérieur. Il y a même eu un white cloud tantôt qui était observé là, dans le coin de Saint-Sauveur. Donc, ça fait des belles structures, mais je pense pas qu'on va avoir de tornade aujourd'hui, là, même si la structure était vraiment intense à Saint-Sauveur. Donc là, je suis rive sud de Montréal, Saint-Hubert. Là, la ligne s'en vient. On voit le ciel qui s'assombrit là, au loin. Donc, ça se déplace tranquillement. C'est sûr qu'il va débuter la pluie. Donc, jusqu'à lundi, ben là, on parle de beaucoup d'eau. Des modèles là, qui montent là, du 75 mm jusqu'à 100, 150 dans la région de l'Assomption. Donc, ça va être à surveiller. Donc, le mot aujourd'hui, c'est d'être prévoyant pour les quantités de pluie à recevoir. Donc, arrangez-vous que vos pompes à eau fonctionnent, que vous ayez une génératrice au cas que vous perdiez l'électricité. Mais je pense pas qu'on perde l'électricité, là. Il annonce pas de vent très, très violent, là. Donc, ça devrait pas être si pire que ça. Puis, la quantité de pluie, là, ça va être de la pluie qui va durer sur 3 jours. Donc, c'est pas comme un orage, là. Il va tomber 80 mm d'eau en 1 heure, là. Ça va être en plusieurs heures. Donc, ça risque d'être bien, là, pour pas qu'il y ait trop d'inondations. C'est surtout plus les champs, là. Mais qu'est-ce qui est bon en ce moment, là, c'est que le fleuve est très, très bas. Les cours d'eau sont très, très bas. Donc, ça laisse une chance que ça soit pas trop inondé. Il y a quand même 2 semaines qu'il n'y a pas mouillé. Donc, cette pluie-là est très appréciable. Donc, on va voir, là. Donc si tantôt il faisait soleil, là ça arrive tranquillement. Ça fait comme un petit genre de nuage en rouleau là, juste en avant. Donc ça part du sud jusqu'au nord. Donc la ligne là, s'en va jusque dans le coin de la Tuque. Donc comme je vous avais mentionné, la ligne au lieu de se déplacer très rapidement vers l'est, elle se déplace tranquillement vers le nord-est. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup d'eau, parce que ça sera pas un front froid qui va passer, qui va balayer, puis on n'en parle plus après une demi-heure là. Donc puis là, hier on vous parlait que possiblement on allait aller intercepter la tempête tropicale, ben post-tropicale Philippe dans le Maine. Finalement on n'ira pas parce que ça risque d'être beaucoup plus intense ici côté accumulation d'eau. La tempête Philippe, là, c'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus violent. Les vents sont pas trop forts, là, puis c'est quand même 5 heures de route. Donc c'est ça. Puis le cœur de la dépression, là, de la tempête tropicale Philippe, elle va être dans le Maine dimanche 9h. Fait que c'est pas mal tard. Il faut qu'on soit de retour au Québec à 16h dimanche. Donc on va suivre tout le long de la fin de semaine là, les accumulations de pluie. Demain, on va possiblement aller se promener sur la rive nord, secteur de Joliette, l'Assomption. Là, c'est là qu'annonce le plus d'accumulation de pluie. Là, on parle de 100 à 150 mm de pluie. Donc, ça va être à surveiller. La rivière L'Assomption va être à surveiller aussi. Tous les cours d'eau. Mais comme je vous ai dit, là, les cours d'eau sont déjà bas. Fait que ça donne une chance. Comparativement au printemps, quand les cours d'eau sont déjà hauts, puis tu arrives avec une dépression intense comme on devrait vivre, ben là, c'est sûr que ça déborde. Puis ça dépend aussi toujours du temps que ça tombe. Ça va tomber en 3 jours. Donc, ça va commencer ce soir. Pour la région de Montréal, là, ça devrait être plus intense demain après-midi. Donc, ça va nous donner une chance de dormir un peu pour être en forme pour suivre la dépression.
Le ciel est partiellement dégagé. Ouais, ben c'est ça, là, c'est une ligne. Là. En ce moment, là, ça arrive sur l'ouest de Montréal, Laval. Puis, c'est ça, dans l'Outaouais, en ce moment, il tombe rien. Il tombe peut-être à la chute, il tombe de quoi, mais c'est sur la fin. Là, qu'est-ce que vous voyez, là, c'est la direction sud. Là. Ça sera pas long, là, on va virer. On s'en va sur l'autoroute 30. Et sur l'autoroute 30, ben, on va voir que. On voit la ligne s'en venir. Ouais, Nancy est en avant. Peut-être qu'on va ça en direct. Gars, en direct, un tata qui me coupe. T'es filmé! Pas 5 minutes juste à la route, mais fait déjà couper. C'est de même continuellement. Pour ceux qui ne savaient pas, je suis camionneur aussi. Donc, moi, je commence ma journée le matin, puis je me fais couper d'en face, puis c'est de même toute la journée. À checker la belle structure. S'en vient au loin. Là. Il y en a qui connaissent pas ça, les zippers. Hein? Là, je parle pas du bord, je parle du processus d'embarquer sur l'autoroute. Je te laisse passer, tu passes, tu laisses passer. Nous, on dirait qu'ils ne connaissent pas ça. Non, on embarque tous sur l'autoroute en même temps, puis fuck off la personne qui est sur l'autoroute. Mais c'est pas ça, c'est un CD de passage. C'est toi qui es supposé laisser passer le monde qui est sur l'autoroute avant que tu embarques. Non, ben c'est ça, le ciel est noir en premier, ensuite la pluie va arriver. Ça, c'est les premiers nuages de la ligne. Puis ensuite, ben, la pluie va s'en venir. Là. Mais comme je vous dis, la ligne, elle se déplace tellement lentement qu'on a les nuages, là, le genre de chef cloud en premier. Puis ensuite, ben, on va avoir la pluie qui va apparaître par la suite. Là. Premier nuage là, la pluie est, je la vois, là, est rendue sur Montréal au loin. Donc, pour ceux qui se demandent, je suis sur l'autoroute 30S à hauteur de Saint-Bruno. On est en direction de Sainte-Julie. La façon que ça se déplace pour avoir des belles structures, mais il n'y a rien de dangereux là-dedans, puis il n'y a rien de violent. Même si on a un semblant de début de tornade, là, les conditions sont pas là pour ça. C'est juste qu'il y a de la rotation en altitude à cause de l'air chaud, l'air froid. Puis on voit qu'il commence à faire noir assez rapidement. Là.
chef Claude qui est en train de se former au nord de Verchères, c'est ça qu'on voit au loin. Du trafic dans la voie de droite. Il y a toujours du trafic dans la voie de droite. Si t'es pour prendre la 20, t'attends dans la voie de droite. Ça attend, c'est pas compliqué. Ah, c'est gain de faire. Gain de couper tout le monde sur le quadrillé. Comme un beau champion. C'est pas mal ça, fait que nous on va continuer à surveiller le tout. On va peut-être revenir en live tantôt, sinon très possible cette nuit. Parce qu'on va porter du monde à l'aéroport d'Orval, fait qu'on va être sur la route. Donc si le déluge est commencé, ben on va être en direct pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y en est. Donc, c'est ça. Puis là, comme je disais, soyez prévoyants, il annonce beaucoup de pluie, il annonce pas de vent violent, on devrait pas avoir de panne d'électricité, donc on devrait pas avoir une coupure de courant qui va arrêter les pompes. Donc, c'est pas mal ça. Sur ça, bonne soirée à tous, soyez prudents sur la route, puis... on se reparle plus tard là, pour la situation de la pluie abondante là, pour le Grand Montréal et Rive-Nord, l'Assomption, tous ces secteurs-là. Là. Comme je vous avais mentionné avec les trucs, pas les trucs, là, mais la couleur verte ce matin là, pour l'avertissement de pluie abondante. Donc, sur ça, bonne soirée. Merci de me suivre puis je vous en reviens avec d'autres détails un petit peu plus tard. Salut tout le monde.
écoute, le rouge est disparu. Tabarnak, ça a passé vite. Les deux bords.